Situé au cœur de l'Afrique occidentale, le Niger est un pays sahélien enclavé, largement dépendant des aléas climatiques. Dans ce pays enclavé, tributaire des changements climatiques, l'agriculture constitue une des principales activités de la population qui est à plus de 80% rurale. Dans plusieurs régions du pays, les femmes, qui représentent plus de 50% de la population, cultivent du millet et autres produits agricoles sur des terres marginales qui sont peu ou pas du tout fertiles, demandant ainsi une forte application de produits fertilisants. Même si l'accès à la fumure organique pour la femme n'est pas une contrainte, la quantité produite ne peut pas suffire pour couvrir les champs. Une ou deux chèvres ne peuvent pas produire suffisamment de fumure pour l'ensemble des champs. En plus de l'insuffisance de la fumure collectée par la femme, son transport au champ constitue un blocage. Elle se contente de la petite quantité transportée souvent sur la tête, ne couvrant que des petites superficies. Je n'ai pas de charrette et de l'argent pour payer le transport. Je prends une petite quantité sur ma tête. À ce problème de fumée organique, il faut noter l'accès aux engrais minéraux qui constitue un autre élément de blocage réduisant le rendement des champs des femmes au Niger. La femme ici au village, elle n'a pas les moyens financiers pour acheter de l'engrais, ce qui fait que les rendements de son champ ne dépassent pas une ou deux bottes. Pour aider les femmes à faire face au problème de fertilisation des champs, la Fédération Fumagasia a initié le projet Productivité des champs des femmes au Niger, financé par la Fondation MacNet, un projet visionnaire qui a développé, entre autres options, la fertilisation à faible coût en mettant en valeur les fertilisants naturels disponibles au village et accessibles à tous les producteurs, particulièrement les femmes. Cette option consiste à collecter l'urine humaine, la stocker, la transporter et l'appliquer avec un dosage bien précis aux plantes de mil. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment l'urine humaine est utilisée comme fertilisant en des plantes. Voyons d'abord sa position dans la société. Ici au village, chaque personne, presque son grand-père, a un champ au bord du village, des champs qui sont très souvent fertilisés par l'urine humaine et les excréments. Et il n'y a jamais eu de problème. Donc, cette option de fertilisation n'est pas mal vue chez nous. Saboda kaga dan uwanka yayi ya ji dadi kai ma kana son kai ma kai ka ji dadi wannan ne ba wali inda ka zuba shi da inda baka zuba shi ba sun bambanta ina ga sun bambanta ko da taki ne ka zuba na dama na zamani ko haka wannan na gida da muke zuba a zamani cewa kenan sun bambanta wanga taki ni dai na zuba shi kuma naga amfanin shi kwarai fiye da yadda ba a tato ba ya da tika su din komai saboda dai kaga shi ya tsarin ga ko da ake yin shi in ce oga ko da ake yin shi bayan gari taki ne gani ya ce abba ai ba saboda ba a hido husa'o in ba sa'annan ashe ba mu sani ba muna da taki daka muke barin gona kan mu suna lalacewa kenan wannan aiki ni na kai dan wannan taki na sanya na ga hatsi di ya halwashi ya bai baya ka san mu da ma Hausa muna san mu ga hatsi yana jan gindi to da muka samu wannan aiki sai na ƙara galgadan makwabta na ce ku motsa ku gyara ku adana oga ku kai shi gona kar ku ƙara zubda shi in ba hatsi aka yanko ba. Pour les producteurs agricoles, la manipulation et la fertilisation des plantes avec l'urine n'est pas un tabou pour la communauté. C'est d'ailleurs ce que nous expliquent les leaders religieux. Si nous nous référons à la religion musulmane, plusieurs écrits de différents courants religieux ont clairement expliqué que les fruits et produits issus de végétations fertilisées par l'urine ou la défécation humaine sont purs et consommables. Abin da ke tsarkake da wanda ba tsarkake ba sai ya nuna duk shimkar da aka shayar da ita da ruwan najasa tsarkaka ce. L'urine n'affecte pas les produits champêtres.
dans la religion, si l'urine touche vos vêtements ou votre corps, une fois que vous mettez de l'eau pour laver, l'impureté est enlevée. Donc l'application de l'urine est tout simplement de l'engrais pour la végétation. Wato shafkar da aka shayar da ita zar'un hatsi ne ko ko dawa ce awul bakalu Toute ouais, végétation à laquelle on applique une souillure humaine, ses fruits ou produits sont considérés comme purs par la religion musulmane. Par inna samarati kaga ƴaƴan wannan abun to dahir ta zarkaci ne idan aka diba cikin ishmawi sharhin shi za a samu wannan bayani. Enfin, comme noté précédemment, la manipulation et la fertilisation des plantes avec l'urine n'est pas un tabou pour la communauté. En plus de l'avis favorable des religieux, écoutons un spécialiste de la santé humaine sur la consommation d'huile fertilisée avec l'urine humaine. Lorsqu'on utilise des urines comme fertilisant pour les plantes, en fait, la plante utilise les sels minéraux et les matières organiques contenues dans cette urine-là pour pouvoir assurer leur développement. Donc, le fait d'utiliser cette urine-là en rien la consommation des produits issus de ces plantes. Puisque en tant que tel, ce n'est pas l'urine qu'on consomme, c'est les éléments minéraux contenus dans cette urine que la plante a utilisée pour produire ses fruits. Et donc, quand on consomme les fruits, normalement, il n'y a aucune nuisance sur la santé. C'est-à-dire en consommant les produits ou les fruits des plantes nourris par les urines humaines notamment, dans arrière la santé de l'individu qui consomme ces produits parce que ça n'a aucun effet sur l'organisme, le fait qu'il consomme les fruits de cette plante-là. On peut faire le parallèle avec le fumier qu'on utilise traditionnellement. Ce sont des déchets des animaux, éventuellement des êtres humains, parce que quand vous prenez les champs qui sont tout autour du village, pratiquement tout le monde défèque à côté, et pratiquement ces plantes utilisent les matières organiques et les sels minéraux contenus dans ces déchets-là, et c'est ça qui leur permet donc de se développer. Et vous allez voir, du point de vue production, ces champs donnent les meilleurs rendements. Et en tout cas, nulle part, la consommation des produits issus de ces plantes n'a posé un problème de santé particulier. Accepté culturellement, socialement, religieusement et surtout sans danger pour la santé humaine, découvrons ensemble comment les femmes collectent l'urine pour un usage utilitaire. Placez un petit récipient de collecte au sein de la douche, une fois rempli, reversez dans un bidon et refermez le bidon. Une fois le bidon rempli en fonction des moyens dont dispose la productrice, il est transporté soit sur la tête ou sur une charrette en destination du champ. Attachez un mouchoir autour du nez à cause de l'odeur piquante de l'urine. Versez l'urine dans un petit récipient. Utilisez le doseur qui peut être une boîte de tomates de 20 grammes, une petite louche ou tout autre matériel équivalent. Appliquez une dose autour de chaque plante 2000. Pour question d'hygiène, se laver les mains avec savon après la manipulation de l'urine. Une fois appliquée sur les plantes 2000, l'urine a un effet positif sur la croissance de ces derniers à la grande satisfaction des femmes productrices. Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de respecter un certain nombre de principes, en l'occurrence le dosage et la période d'application. Pour la fertilisation des plantes avec l'urine, ce que nous avons, la dose que nous avons recommandée, c'est la dose de 0,2 litres par poquet et en deux applications. La première application, c'est après le démarrage et la deuxième application, c'est au début montaison. Donc les producteurs, pour avoir donc cette dose équivalente à 0,2, donc ils ont préféré utiliser la petite boîte de tomates de 20 grammes correspondant donc à 0,2 litres, donc comme dose unique à chaque fois.
Après la récolte du mil, une séance de préparation et de dégustation de la pâte et de la boule à base de mil a été organisée dans le village de Garilabo pour que les femmes, les hommes et les enfants du village puissent évaluer la qualité de la nourriture. Après la dégustation, les paysans ont évalué la couleur et le goût de la boule et des plats du mil fertilisé par l'urine humaine. Il ressort de l'évaluation que ce mil est sans doute de meilleure qualité. Eh sai in ga kamar an ƙara cibira wani dawo an jifa ciki. Ni bambancin da gani ke. Au demeurant, il faut retenir que l'urine est un fertilisant efficace, disponible et accessible pour tous les producteurs agricoles, facile à collecter et à transporter, son utilisation comme engrais est acceptée par la culture et la religion des communautés nigériennes. En outre, elle présente une véritable opportunité pour les femmes productrices qui veulent avoir un bon rendement agricole.